Toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ouais, mais j'ai ma casquette, oh. C'est n'importe quoi, c'est du bullshit. Ce petit bijou de technologie, c'est même pas fini. À tous les touristes sur l'autoroute, c'est 130, pas 90. Et c'est parti pour le pilote. Eh ouais, c'est le mec qui pilote. Bienvenue dans ce nouveau vlog de qualité. Non, je rigole, on va démarrer. Ah, on a failli mourir. Ah, du coup, c'est ma première fois en tant que pilote sur la Mamie Mobile. Et du coup, bah là, on va aller aux vibrations urbaines à Pessac. Du coup, pour la première étape de Coupe de France. Voilà. Et du coup, bah voilà, je suis genre pas très à l'aise. Ça va bien se passer. Voilà. Non, bah, c'est déjà une super petite expédition. Donc là, on va se taper, je sais pas, 4h30 de route. Plutôt 5. Ouais, 5. 5 heures, ouais, voilà. Du coup, là, je vais conduire jusqu'à Toulouse. Oui, enfin, peut-être que tu vas pas te faire d'un coup, mais. Mais oui, on s'arrête à Primark à Toulouse pour acheter des pantalons. A few moments later. Je vais prendre mon premier péage. Première fois sur la vraie autoroute avec le vrai péage. Alors là, on a un télépéage, il faut aller sur un T. Le T, genre... celui que tu veux. Oui, là, oui. On passe à 100 km/h, à 30. Ouais, 30, 10, 30. Allez, prêt. Il allez, va prêt. Faire un bip. Lève-toi, 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 lève-toi. Ouais, allez, c'est parti, la liberté. Autoroute. On y est. Comme un grand. Bon bah première expérience de conduite pour le mec. On vient de faire une petite pause là du coup sur, une petite aire là pour changer de conducteur. Maintenant on a Mamie la conductrice d'élite. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pilote de Formule 1. Je pense que je vais essayer de déballer là la petite Insta 360 Go 2. Toute petite caméra du coup pour vous montrer ça parce que je viens juste de la recevoir. Et ça va être une petite dinguerie ce truc. Donc voilà, bah, je remercie encore Insta 360 pour le colis parce que là, ça, là vous régalez les gars, vous faites vraiment plaisir. Il y a du matos, il y a de la qualité. On va vraiment pouvoir s'amuser là comme des fous. Je vais essayer même peut-être de la mettre sur la casquette pendant que je conduis du coup là, après la pause. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on va faire des petits tests, on va y aller tranquillement. Voilà. Des mots pour notre cher public. On a failli mourir au moins 100 fois. Ça va. J'ai ma casquette, oh! Ma casquette, elle s'envole! C'est pas là! Bon, alors, j'ai coincé du coup la caméra entre mes jambes là. Bon, ça bouge pas comme ça, je vais pouvoir vous faire découvrir un petit peu bah, en même temps que moi. Bah, comment fonctionne ce petit truc? Private Prolonged Jet Disc. Ok. Là, c'est chaud. C'est une zone très chaude parce que du coup, la caméra, comme elle est toute petite, elle doit évacuer la chaleur quelque part et c'est derrière. Donc, si vous l'utilisez, attention parce que là, ça va être chaud. Bon, là, ça a l'air d'être connecté. On a 30 gigas de mémoire. C'est de la mémoire interne, du coup, il n'y a pas de carte mémoire. Donc, c'est cool aussi parce qu'au moins, on n'a pas à se faire chier. Mais en soi, si on veut faire du coup des prises prolongées, c'est dommage. En tout cas, c'est cool. Wow. Oh, hey, j'ai dit stop recording et le truc il s'est arrêté. Genre, c'est quoi n'importe quoi? J'ai rien dit, la vidéo elle s'est arrêtée, c'est n'importe quoi, c'est du bullshit. Donc, bref, ce que je disais avant que ma Insta 360 One X2 fasse des siennes et se dise ok, je me mets au chômage technique. Auto-censure. Voilà, auto-censure, c'est rien compris. Bref, du coup, il y a ce petit truc là qui est sympa, qui est en fait un pendentif aimanté et qui permet d'avoir en toute légèreté. Ce petit bijou de technologie de la taille d'un pouce qui vient se clipser ici en toute autonomie et du coup bah, pour filmer en mode discret et pas avoir une grosse caméra de ouf sur la tête ou sur le torse qui peut être gênante sur certains plans. On a un truc tout petit, tout discret et qui est génial. Je filmerai tout à l'heure bah, quand j'aurai mis voilà, point barre. Putain, point barre. Putain, je suis ferme. Je suis énervé moi. On est énervé aujourd'hui. Voilà, comme ça vous me verrez piloter, hein. Vous verrez piloter les collègues, ça sera pas mal. Ah si, juste un truc, il y a un truc qui me fait vraiment kiffer, je trouve ça vraiment drôle. C'est la boîte de chargement qui ressemble précisément à une boîte d'AirPod. Voilà, on dirait une petite boîte d'AirPod ou un petit poudrier, je sais pas comment on pourrait le dire. Et du coup en fait, elle se recharge là-dedans, voilà.
C'est un délire. Ah, et attends, putain, je savais pas. Ça sert de télécommande. Ah d'accord, Jamy. On est vraiment en train de tourner une vidéo unboxing, tutoriel de la voiture en mode à l'arrache. Mais en fait, je suis tellement content de ce matos. Je suis trop pressé de vous en parler en fait. Je veux dire, je vais pas attendre d'être chez moi ou... Voilà, on est dans la voiture. Je veux le faire maintenant. Voilà, c'est l'avantage d'avoir cette petite caméra. Quelques mots, mamie, pour notre cher public. Merci d'avoir regardé ce vlog de qualité et venez acheter. Déjà vu. C'est même pas fini. On vient à peine de commencer la vidéo. Tu dis, allez, salut les gars, ciao, c'est terminé. Merci, au revoir. Merci, allez, salut, ciao. A few moments later. 50 images secondes en 1440. On peut choisir un profil log et ça, c'est énorme quand même. Moi, je vais rester en vif parce que je vais pas me faire chier à faire de l'étalonnage, mais du coup, vif pour les réseaux sociaux, ça suffit très largement. Vous avez déjà une super qualité qui est très contrastée. Une belle plage dynamique aussi. On pourrait faire les premiers essais en direct. Hop. La bébé. Maman. Je vais te tenir très, très fermement. Ah, j'ai trop peur. Non, 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 non. Tu restes avec moi. Non, non, j'ai pas confiance. Je devrais, hein, mais j'ai pas confiance. On sait jamais. Je tiens trop à cette petite caméra, ce petit bijou là. Voilà, on va rester tranquille dans la voiture, dans l'habitacle. Ouais, on est en train de chercher du coup une place de parking pour le Primark parce que du coup j'ai besoin de jeans pour le bike. Et le problème c'est que toutes les places sont prises et si on doit trouver un parking, c'est tourner en rond comme des connards pendant 1000 ans. Et franchement, c'est relou. C'est relou. Donc là, on se barre manger et se casser de cette ville. Voilà, désolé les Toulousains, mais c'est vraiment de la merde. Mais c'est de la merde. Trouver une place, les piétons qui vont partout, c'est n'importe quoi. Bref, opération flunch, si on trouve un flunch. Enfin, s'il y a la place aussi, pareil. Et après, du coup, bah, on va aller sur Bordeaux. Si il n'y a pas de place, je crame le feu. Après manger, bah voilà, on va à Bordal. Venez à Bordeaux, venez dans mon quartier. Bordal est peut-être à la Primark à Bordeaux, on verra. Voilà, voilà. J'arrête pas de dire voilà, ça m'énerve. Je viens juste de trouver un tricks qui est en fait comme la caméra elle est aimantée. Je me dis bon voilà ça s'aimante au truc mais en fait ça s'aimante partout. Genre regarde là. Et paf. C'est pas nice. Tu la mets là. Ni vu ni connu. Un angle impossible. Trop d'enthousiasme. Il apporte pas la caméra quoi, c'est génial ça. Ah je prends le double Tennessee Roastie, regarde c'est mort. Ah je prends la maxi dose. C'est quoi ton choix? Tennessee Roastie Burger. Voilà, ça me copie. Bonjour. Bonjour. Vous avez cuisson? Saignant. À point. Oh, j'ai mangé comme un connard. Hein. Bon appétit les petits potes. On va manger puis après on va reprendre la route. Mamie elle est contente? Non parce que mamie elle est très énervée. Voilà, mamie est très énervée. Toulouse c'est bien. Elle a failli tuer du monde sur la route, elle était énervée, des connards de partout. Mais là, la satisfaction, c'est le flunch avec les frites, avec le burger, avec le flan. Voilà, la bouffe, ça fait plaisir. Oh, c'est le luxe. Ah. Ouais, il se décolle. Le mec. Ça, t'as bien mangé? Ah oui. C'était bon? C'était bien. Ça fait du bien de manger? Oui! Oui!
sont fait dévaliser. Non, je fais du 33-32 et là du coup il n'y a plus que du 32-32 mais ça va, ça passe. Voilà, du coup bah, c'est bon, c'est fait, j'ai fait une petite tempête ou quoi que non, je vais en prendre un troisième en vrai. En fait ce qui m'énerve c'est que ça se fusille en 2-2 et tu les consommes en fait mais à une vitesse de fou en fait en BMX parce que bah du coup les retours de pédale et tout ça bah ça te flingue, ça fait des trous, je passe mon temps à les recoudre et voilà c'est du consommable et c'est chiant quoi.